Je vous accueille aujourd'hui pour une émission spéciale au cœur du Valais, au sud de la Suisse, à la frontière italienne. Nous sommes ici à 2500 mètres d'altitude au col du Grand Saint-Bernard, un col qui fut jadis très fréquenté au moment où Bernard de Menton, Saint Bernard, décida d'y créer un refuge pour accueillir les passants. 1000 années plus tard, l'hospice est toujours là et la congrégation de l'hospice accueille tout un chacun qui vient à sa rencontre. Ils sont actuellement 5 religieux à y vivre à l'année, entourés d'une équipe de choc qu'on appelle ici la maisonnée. L'hospice est ouvert toute l'année, mais durant les 7 mois que dure l'hiver, la neige prend possession du col et du coup c'est en ski de randonnée, en pot de phoque ou en raquette à neige que l'hospice est accessible. Je vous propose tout de suite de découvrir la raison d'être de ce lieu d'accueil millénaire. Bienvenue à l'hospice du Grand Saint-Bernard. C'est au parking du Super Saint-Bernard, à l'entrée du tunnel qui relie la Suisse à l'Italie, que nous retrouvons Gaëlle. Gaëlle est une habituée de la montagne et une amie de l'hospice. Parfait. Prêt à partir ? Oui, allons-y. Allez, andiamo. Elle y a déjà travaillé plusieurs fois comme bénévole et remonte volontiers retrouver ses amis et l'ambiance de l'hospice. C'est toujours un bon petit défi avant d'arriver à l'hospice, ce qui est très intéressant pour se mettre un peu en jambes et puis déjà commencer à déposer un peu tout ce qu'on peut vivre en plaine et arriver à l'hospice pour vivre un temps de repos et de ressourcement. Pendant ce temps à l'hospice, la maisonnée s'organise. La vaisselle, les chambres, les couloirs, tout doit être prêt pour recevoir les voyageurs à chaque instant. Très bien, alors à toutes, bonne montée. Salut. Clémence est l'intendante, elle coordonne l'équipe et veille à la répartition des tâches. On essaye d'avoir l'hospice toujours clean, même les chambres qui ne sont pas utilisées sont toujours prêtes. On a toujours du thé au chaud, le poêle est toujours ouvert, il y a toujours quelqu'un à l'accueil. Et voilà, comme ça on peut accueillir les gens qui viennent sans prévenir. Quand j'arrive en haut et que je vois l'hospice, je me dis ouf, on est enfin arrivé, on va avoir un bon thé et être la joie d'être vraiment accueilli par toute l'équipe, toute la communauté et de recevoir ce thé qui va au-delà de simplement une boisson qui réchauffe, mais tout un accueil, toute une personne qui t'accueille. Salut, ciao. Salut Gaëlle. Voyageurs, pèlerins, touristes, ici chaque personne est accueillie telle qu'elle est. C'est intense humainement et puis c'est des vraies rencontres, c'est des gens qu'on ne croise pas tous les jours, qu'on ne va pas croiser en ville. Puis il y a la montagne, c'est magnifique. Et ouais, humainement, pour moi, c'est une expérience humaine, ouais, avant tout, quoi. Le thé est quant à lui toujours offert par la maison. Merci, voilà. Merci, bien. Merci. Ça ne fera pas de mal. Ouais. Quand je passe ma journée à l'hospice, je prends plutôt du temps un peu pour moi, où je prends un temps à la crypte, un peu plus pour prier, un peu plus pour être dans le silence. De dessiner, d'écrire, de lire un peu. Je trouve que ça fait partie de quelque chose qui me ressource vraiment ou qui est peut-être une manière d'exprimer une intériorité, une sensibilité ou quelque chose que j'ai sur le cœur, et ben le dessiner, de l'écrire ou de prendre cette touche artistique m'aide un peu à vivre mon intériorité. Si la météo et l'envie s'y prêtent, Clémence part skier pendant sa pause de l'après-midi. Une manière de prendre du recul et de se défouler tout en partageant du bon temps avec les plus motivés. Allez, je décrète l'apéro. À la fois accueillie par la communauté et au service de l'accueil des hôtes, Clémence a trouvé sa place et son équilibre au sein de l'hospice. Quant à Gaëlle, elle s'est déjà portée volontaire pour revenir comme bénévole l'été prochain. Ce soir, tous ensemble, la maisonnée et la communauté partagent un verre avec les voyageurs de passage et trinquent ensemble à l'amitié. José Mita, vous êtes l'un des chanoines de la communauté de l'hospice du Grand Saint-Bernard. Vous nous accueillez ici dans la salle qu'on appelle le poêle. C'est ici que vous accueillez les voyageurs qui viennent à votre rencontre. Alors comment ça se passe ? Ici, originellement, c'était la seule salle chauffée de l'hospice, d'où le mot poêle. Et donc, c'est une manière d'offrir une présence à quiconque qui vient. On ne connaît pas forcément leur prénom, on ne sait pas d'où ils viennent.
mais on essaie de leur offrir un accueil chaleureux et bienveillant. Qui dit accueil dit aussi un besoin d'avoir l'autre. On accueille toujours une personne. C'est sûr que, à quelque part, la joie de vivre ici, elle nous est offerte par les personnes qui y viennent. Notre sens, c'est l'accueil, et peut-être que les personnes qui viennent et qui acceptent de s'arrêter ici, c'est elles qui donnent du sens à notre présence. Donc finalement, c'est elles qui nous accueillent. Est-ce que l'accueil en été est différent de l'accueil en hiver? Celui qui vient en hiver, il a chaussé ses skis, ses raquettes, il est monté, il a fait un effort physique peut-être plus grand que celui qui vient en été. Est-ce que vous voyez une différence dans la relation que vous avez avec la personne? Mais vous êtes vous-même monté à Pot de Phoque. Vous vous rendez bien compte, surtout qu'il faisait froid le jour où on est monté. On arrive ici, on a l'impression de recevoir ce lieu comme un cadeau. Comme un cadeau pour lequel on s'est donné, pour lequel on s'est livré. Alors en été, ça peut arriver, hein, parce qu'on a aussi beaucoup de randonneurs qui viennent à pied. Il y a des tours du Grand Combin qui se font, même avec des ânes, etc. Bon. Mais c'est vrai que l'hiver, il y a ce côté particulier qui honore l'engagement de la personne. Et peut-être qu'accueillir, c'est honorer son engagement. Alors en été, c'est moins sur le plan de la randonnée, mais c'est honorer l'engagement que la personne vit au long de l'année. Alors l'accueil, c'est vous accueillez les gens, mais vous, en vous confiant aussi à tous ces étrangers, ils vous accueillent aussi quelque part dans leur cœur. J'aime beaucoup votre expression, nous nous confions aux gens. Oui, nous nous confions aux gens. Nous nous livrons. À quelque part, je suis prêtre. Chaque fois que je célèbre l'Eucharistie, je dis « Ceci est mon corps livré pour vous » en montrant du pain. Eh bien, c'est ça qu'on vit finalement. Donc la présence de l'autre est quand même fondamentale. Ici, on se sent un peu isolé. On est isolé par rapport au monde extérieur, dans la montagne. Mais pourtant, on n'est pas si isolé du monde. C'est un peu fou de se retirer à l'écart pour être au service de la rencontre. On est situé là où personne ne vient, surtout maintenant où il y a un tunnel qui passe sous nous. Et pourtant, c'est là que ça se passe. Ça nous invite à changer un petit peu de paramètres, à poser un nouveau regard sur nos vies. Là où on se sent seul, il y a peut-être quelqu'un pour nous rencontrer. Est-ce que tout le monde peut venir à votre rencontre ou bien c'est vraiment des pèlerins en quête de sens ou l'accueil est réservé à quelqu'un en particulier? Non, on ne demande pas les cartes d'identité, on ne demande pas les motivations. Parfois on découvre les motivations en discutant avec les personnes. On a des gens qui sont en recherche, on a des gens qui simplement ont besoin de respirer un autre air, d'autres qui ont besoin de se confier, d'autres qui ont besoin de vivre une démarche intérieure. Et nous, on est là et on dit bienvenue. Et parfois, peut-être que les personnes qui repartent d'ici découvrent après coup ce pourquoi elles sont venues. On se retrouve ici dans l'espace appelé la clôture. Cet endroit est privé pour préserver l'intimité de la communauté. Ils sont aujourd'hui 4 chanoines et une sœur oblate à vivre ici toute l'année. Ils font partie de la congrégation des chanoines du Grand Saint-Bernard. Cette congrégation est apostolique, c'est-à-dire qu'elle est en contact en permanence avec le monde extérieur et qu'elle a besoin d'autrui pour se réaliser. Raphaël est l'un des 5 religieux qui vit ici à l'année. Je vous propose de découvrir, à travers son portrait, la vie des chanoines du Grand Saint-Bernard. Je m'appelle Raphaël Duchouz, chanoine régulier du Grand Saint-Bernard. J'ai commencé mon 4e hiver pour faire présence ici dans cette maison. Le matin, je me lève autour de 6h, 6h15, suivi d'un temps de prière silencieuse à la crypte, donc là où la communauté prie régulièrement tous les jours. À 7h15, on commence les laudes et les matines avec la communauté. Nous voyons sonner la cloche, justement pour avertir pour le petit déjeuner. Notre relation avec le temps s'est scandée par les heures de prière et de repas. J'ai toujours aimé m'occuper des plantes. Je les bichote, je les chouchoute un petit peu. Mais puisque j'en suis là, je te mets également toi aussi quelque chose. Ah, un téléphone. Alors si on répond...
Hospice du Grand Saint-Bernard du Chou Raphaël, bonjour. Quand le prévôt m'a appelé ici, il m'a donné cette mission de faire présence dans cette maison. Alors, deux soupes. Pour moi, c'est important d'avoir toujours ce contact permanent avec les autres, tout en respectant le rythme de vie. Souvent, à travers ces rencontres informelles, si je peux parler comme ça, on peut avoir des contacts plus profonds et qui peuvent aller justement à la découverte des situations de certaines personnes qui sont ici un peu pour vider leur sac et de se débarrasser du poids trop lourd de leur existence pour essayer de retrouver la paix avec eux-mêmes, la paix avec Dieu, il faut dire ce qu'il en est, et la paix avec la vie également. Hein. Dans la Bible, la montagne a toujours été le lieu de la rencontre de l'homme avec Dieu. Pourquoi ? Parce que l'homme, pour atteindre le sommet, il est obligé de faire un effort. Ici, pour atteindre ce lieu, il faut être un peu face à soi-même. Donc, abandonner toute espèce de masque que l'on pourrait se donner dans la société de la plaine. Il faut, voilà, être vraiment nous-mêmes pour arriver jusqu'au bout. Et ça, c'est important déjà pour vivre sa foi. Puis deuxièmement, ici sur la montagne, toute votre vie se passe à l'intérieur des quatre murs. Les frottements humains, ils sont accentués quelquefois. Ici donc, la montagne et la vie, justement au cœur de cette maison, nous apportent l'occasion de vivre plus en vérité avec soi-même et avec les autres. C'est la liberté, c'est de dire oui à ce que nous sommes. Et ça, c'est déjà important, dire oui à ce que nous sommes, pour être dans la disposition d'écouter une parole. Bonjour, comment va ? Bien, vous-même. Au début de ma présence ici, je sentais ça très, très fortement en moi-même. Par exemple, quand il y avait des autres qui restaient deux ou trois jours ici, je les voyais partir avec un pincement de cœur. Et ce pincement de cœur passait tout de suite parce qu'il y avait d'autres qui arrivaient. Ici, je dois saisir le moment de l'apostolat avec là où les personnes que le Seigneur me donne de rencontrer ici et maintenant. Et on comprend, après plusieurs années de présence ici, on comprend mieux alors ce que c'est qu'être sur la route des gens d'une manière ou d'une autre. José Mita, vous êtes le prieur de cette petite communauté de l'Hospice du Grand Saint-Bernard. Vous nous avez emmenés ici dans la crypte où sont célébrés en hiver tous les offices du jour. Qu'est-ce que la crypte signifie pour les chanoines de la communauté ? La crypte, c'est le cœur de la maison. La maison, l'hospice, est un lieu de passage, un lieu d'accueil, et on a besoin de se poser. Et la crypte est vraiment un lieu où on peut se poser et se reposer. Symboliquement, on y descend à la crypte, on n'y monte pas, on y descend, mais après avoir fait une ascension. C'est le cœur de la maison, et parfois pour descendre jusqu'à l'intérieur de son cœur, pour s'y poser, eh bien, c'est une vraie démarche. C'est une vraie démarche de descendre ici. Et si vous voyez l'architecture de cette crypte, les murs dessinent un bel espace, une belle voûte, et les murs sont très épais, très musclés. Mais quand on descend à l'intérieur de son cœur, on a aussi à muscler une capacité d'ouverture. Ici, le Christ est adoré et nourri. C'est la devise de l'hospice que Saint Bernard a donnée il y a 1000 ans. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Cette maison, elle est posée sur le rocher. D'un côté, vous avez toutes les réserves de nourriture. De l'autre, vous avez la crypte. Ici, le Christ est adoré et nourri. Le rocher, c'est le symbole de la confiance. Et le sens de cette maison ici, c'est reconnaître en tout visage humain, une présence sacrée qui se livre. Alors pour arriver à la reconnaître en tout voyageur, on a parfois besoin de descendre à l'intérieur de son cœur, d'où le sens de cette crypte qui rythme à la fois notre prière communautaire et notre prière personnelle. Alors il y a le va-et-vient de l'hospice, on parlait des voyageurs, etc. Comment est-ce que vous arrivez à équilibrer votre vie religieuse, votre vie intérieure et la vie d'hospitalité, la vie d'accueil ici en haut avec tous les passants ? Peut-être que le vrai équilibre, c'est d'accepter une forme de déséquilibre. Le déséquilibre d'une marche, chaque fois qu'on a un pied levé, on est en déséquilibre. Et ce qui permet de ne pas tomber, c'est d'enchaîner. Autrement dit,
d'avoir un rythme intérieur. Je crois que c'est le rythme. Et ici, on a beaucoup de ruptures de rythme, ce qui rend la vie à l'hospice difficile. On a un grand groupe qui part, donc on était très pris. Tout d'un coup, on passe à un temps de silence. Et puis, on a un nouveau groupe qui arrive. Ou parfois, on n'a pas le temps de silence entre les deux. Donc, j'ai envie de dire que la crypte nous apprend à une souplesse, à vivre une souplesse intérieure. Nous met aussi face à nos fragilités. La crypte, elle est sur le rocher. La grâce du rocher, ce n'est pas que d'être solide, c'est aussi d'être fragile. Vous savez, on est ici à 2500 mètres parce qu'on a une source d'eau. Sans source d'eau, pas de vie. Et la source d'eau, elle jaillit du rocher, mais pas de n'importe quel rocher, du rocher qui est blessé, qui est vulnérable. La source jaillit toujours dans l'infractuosité du rocher. Et ben, il y a aussi comme une petite crypte là-bas, un petit refuge qui prend soin de ce qui est fragile. Peut-être qu'à l'hospice, on est appelé à découvrir que nos ressources, c'est là où on est fragile, c'est là qu'elles peuvent s'exprimer. Et la crypte de la source, justement, se situe à quelques centaines de mètres, on la voit de la porte d'entrée. C'est un endroit que vous aimez visiter ? C'est un endroit dont j'aime m'approcher, parce que je n'y entre pas si souvent. De la même manière que les lieux sources à l'intérieur de nous-mêmes, on s'y approche, on y puise de l'eau, mais voilà. Pour arriver jusqu'à la source en été, il y a un chemin au-dessous duquel passent les canalisations d'eau, et c'est aussi un chemin d'écoute pour accompagner les voyageurs, pour accompagner celui qui a besoin de se confier. La source, c'est un lieu d'écoute. Ben, comme ça a l'air si important pour vous, je propose qu'on y aille à cette source et qu'on voit un peu l'esprit qui rôde autour. De la source a jailli une présence humaine et spirituelle au creux de la montagne. Au fil des siècles, la présence des chamans a évolué, leur dimension de l'accueil aussi, et parallèlement, l'hospice, le bâtiment, a aussi été le théâtre de nombreuses aventures. L'hospice d'hier à aujourd'hui, c'est 1000 ans d'histoire, un résumé en images. Le souffle de l'hiver, ici, dure 7 mois. À 2500 mètres d'altitude, la température moyenne est en dessous de 0 degré. Pourtant, le col du Grand Saint-Bernard est traversé par les hommes depuis l'Antiquité. Aller, venir, devenir même, cet endroit y voit naître un symbole, l'hospitalité, au cœur de la montagne. En 1050, Bernard de Menton, alors archidiacre d'Aoste, répond à un appel. Pire que le brouillard, pire que les tempêtes de neige, eh bien, il y avait des brigands qui sévissaient ici sur ce col, juste là, sur le plateau, là où on a la statue. Donc on avait le temple de Jupiter et dans les ruines de ce temple, il y avait des Sarrasins qui avaient été chassés du sud de la France et puis qui sévissaient ici. Alors quand on avait échappé à tous ces dangers, les gens allaient pleurer chez Bernard et Bernard donc a écouté cette détresse humaine et il se demandait qu'est-ce qu'il pouvait faire. Il est habité par une parole de Dieu qui est « Tout ce que vous ferez au plus petit des miens, c'est à moi que vous le ferez ». Alors il a pris son bâton de pèlerin et il est monté ici sur le col. On dit qu'il a passé 3 jours, 3 nuits dans une grotte qui est placée dans les fondations de cet hospice. Et puis qu'il a eu cette idée géniale, finalement, de créer, de construire cette première maison. Il y a des livres d'histoire qui disent qu'il a chassé les Sarrasins. Moi, j'aime à dire qu'en fait, il a été rencontré les Sarrasins, qu'il leur a rendu leur dignité humaine et que c'est avec ces Sarrasins qu'il a construit le premier hospice. Et pour que cette hospitalité perdure, Saint Bernard y installe une communauté religieuse avec pour mission d'y accueillir tous les passants, tous sans exception. Comme leur vocation, c'était d'aller à la rencontre de ces personnes qui passaient ici, des éventuelles personnes,
Donc eux partaient chaque matin de chaque côté de la montagne pour voir s'il y avait des personnes à aider et à pour passer le col. Alors quand il y avait des avalanches et qu'il y avait des personnes qui étaient victimes dessous, plutôt que de les laisser à l'abandon, l'hospitalité allait jusque là puisque on allait chercher ces personnes décédées pour les laisser ici à l'abri des prédateurs, des animaux sauvages et puis voilà. Donc c'est la dignité humaine qui était reconnue jusque au travers de la mort. Anne-Marie et Oblat, une laïque qui consacre sa vie à Dieu à travers la congrégation des chanoines réguliers. Présente à l'hospice depuis 2010, c'est elle qui observe les dangers de la neige chaque matin. Je signale à Davos un centre qui centralise tous ces événements et puis qui nous permet après d'établir des cartes de dangers d'avalanche, surtout dans notre secteur, quoi. Avec les siècles, les chanoines se sont adaptés à leurs visiteurs. Des caves primitives, progressivement a émergé un hospice plus grand. Puis cette auberge bâtie pour recevoir les touristes alpins au début du XXe siècle. Jusqu'au camp de montagne initié après l'ouverture du tunnel en 1964. Depuis près de 1000 ans, jour et nuit, les chanoines accueillent. Nous, on fait un barème de 50 personnes par jour durant 8 mois. On a plus d'une tonne de viande, on a plus d'une tonne de pain. Aujourd'hui, l'hospice conjugue son histoire au présent avec des rénovations débutées en 2013. Il conserve également la présence de Barry, le Saint-Bernard authentique, sans tonnelet. Et bien d'autres trésors, comme ses livres et archives de la congrégation. Une histoire qui perdure depuis près de 1000 ans, entre ciel et terre, fragile et forte à la fois. Franz Dupont nous a rejoint entre-temps pour nous parler d'une ASBL qui lui tient à cœur, les Amis Belges de l'Hospice du Grand Saint-Bernard. Mais avant d'y revenir, peut-être José, un petit mot sur les lieux dans lesquels on se retrouve, un chantier, plein de travaux. Qu'est-ce qui se passe pour le moment ? Voilà, alors ici on est dans l'auberge de l'hospice où nous refaisons des chambres, où on soigne l'accueil. Dans l'hospice, nous avons refait la présentation muséographique du trésor. D'une manière souterraine, il a fallu refaire tout le câble électrique qui approvisionne l'hospice en électricité, évidemment. Le toit, les fenêtres, 120 fenêtres. Chaque fenêtre a une taille différente parce qu'on n'est pas aux normes standards ici. Le crépi, la sécurité incendie. Vraiment, on prend soin de ce bâtiment qui prend soin de nous à l'année. Et qui vous accueille depuis 1000 ans. C'est d'ailleurs pour ça, Franz aussi, que vous êtes là et que vous avez créé l'ASBL, les Amis Belges de l'Hospice du Grand Saint-Bernard. C'est pour soutenir non seulement l'hospice dans les travaux, financièrement, moralement aussi, par votre présence, mais c'est avant tout une histoire d'amitié. Vous connaissez José depuis un certain moment. Vous êtes un habitué de l'hospice. Oui, il y a à peu près 10 ans que je connais la communauté. J'y montais régulièrement pour la fête de Pâques. Et puis après ça, j'ai participé au Triduum Pascal. Et au fur et à mesure des personnes qui se sont succédées ici, José est arrivé comme prieur. Et j'ai eu une grande amitié pour José. Et de cette amitié est né quelque chose de fort que vous avez ramené en Belgique avec des amis. Vous avez décidé de créer une ASBL, l'ASBL, les Amis Belges de l'Hospice du Grand Saint-Bernard. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous voulez faire passer ? Pourquoi avoir créé cela ? Oui, il y a quelques amis qui connaissent l'Hospice du Grand Saint-Bernard et qui ont surtout été touchés par la qualité de l'accueil. Nous avons décidé de créer une association qui est reconnue par la fondation du roi Baudouin. Cette fondation était nécessaire parce que les frais sont énormes et l'hospice s'est adressé à tous pour y participer, et notamment à la communauté belge. Alors cette association, elle est ouverte à tous, elle est apolitique, et elle s'adresse en particulier à... Elle a deux buts. Elle a un but de récolte de fonds et un but de faire connaître l'hospice en Belgique. Faire mieux connaître l'hospice en Belgique. Et elle s'adresse particulièrement à des étudiants, à des écoliers et à toute personne en quête de sens. Alors concrètement sur le terrain, en Belgique, qu'est-ce que vous faites avec cette ASBL ? Cette ASBL, elle va récolter d'abord les cotisations de ses membres. Elle va récolter des fonds auprès de sponsors. Nous allons contacter les services de mécénat des entreprises belges et organiser des événements. Un événement qui nous tient à cœur et que nous allons organiser ce printemps avec Théo Mertens, qui est un musicien, un grand ami de José. Cet événement consistera en un concert donné par Théo
et puis une partie dégustative pour faire connaître les différents fromages belges et bières belges. José, qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir des Belges, mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres pays qui se mobilisent comme ça pour l'avenir de votre maison ? Ben, la première chose, c'est que ça me touche profondément. Je crois que c'est la joie de cet hospice que de se dire, mais tiens, le fait d'avoir besoin de l'autre, ça nourrit l'amitié. Le fait d'avoir besoin, c'est une ressource. Et j'espère que tous ceux qui peuvent faire partie d'une telle association puissent être encouragés dans leur propre vie. De nombreuses nationalités de tous les continents sont passées ici à l'hospice pour vivre une expérience. La porte est ouverte à tous, 365 jours sur l'année, 7 jours sur 7. La clé a d'ailleurs été perdue depuis bien longtemps. La communauté de l'hospice et toute la maisonnée accueillent ici autant de pèlerinages que de retraites ou de personnes en quête de sens, de rencontres ou simplement en recherche d'un peu d'humanité. On y vient à ski, à pied, en voiture. Bref, les démarches sont multiples, c'est à vous de les inventer. Et puisque l'hospice est un lieu de passage, on y vient pour mieux repartir, pour mieux revenir encore. Il est temps pour nous de redescendre vers la plaine.